Établissement Albaldé est un groupe qui a en son sein une société d'inspection et un service indépendant du bâtiment à Chicago. Elle vise à inspecter des immeubles et autres maisons réalisées en Guinée par des Guinéens vivant à l'étranger. Le PDG invite les citoyens à compter sur sa société pour un meilleur service. Si vous avez un bâtiment à construire ou bien si vous êtes en process de construire un bâtiment et que vous êtes à l'étranger, nous sommes là, vous pouvez compter sur nous d'aller vérifier si effectivement le projet est en cours. C'est à 150$ pour inspecter un bâtiment. Nous on voit le lieu, le bâtiment, on l'inspecte. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, on fera un rapport et vous envoyez aux étapes à l'extérieur. Après plus de 30 ans à l'étranger, Albaldé a décidé de mettre cette société dans son pays natal pour aider les Guinéens de la diaspora, souvent floués par des personnes auxquelles il confie des travaux dans le pays. La vision de la société, c'est aider nos compatriotes de l'extérieur, ceux qui ont des projets ici, ceux qui veulent construire, ceux qui ont construit. Nous sommes là, c'est pour les aider. On peut gérer ces bâtiments-là, on peut gérer des terrains, on peut loger des gens, on peut déguerpir aussi des gens. C'est ce que nous faisons. Au-delà de cette société d'inspection, établissement Albaldé a aussi le Taxi Corporation, une société de transport qui permet aux citoyens de se déplacer. Au niveau de cette société de taxi, ça se passe très bien. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en chômage. Maintenant, à l'arrivée de cette société-là, ça les a permis d'intégrer cette société-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a des jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas. Ils sont dans le délinquant comme ça. Ils font des choses qui ne sont pas bonnes. Maintenant, à l'arrivée de cette société, ça leur a permis de travailler durement. Nous envisageons de bien aider la population guinéenne, surtout la jeunesse guinéenne, pour ne pas qu'ils restent sans emploi. Nous les demandons vivement de venir s'inscrire dans notre entreprise. Pour la réalisation de ce projet, le PDG Albaldé compte sur ses moyens financiers. Il a son siège au marché Koloma, précisément au centre commercial Elage Sadou, boutique numéro 16.